Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez pu vivre le cycle lunaire en pleine conscience et que vous êtes prêts à attaquer l'automne. Je vais tirer donc une carte une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité générale du mois. Je développerai par secteur de vie avec le tarot cosmique de Kakinakiland, donc votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre vie matérielle et professionnelle, et enfin votre dimension sexuelle et créative. J'ajouterai par secteur de vie une carte conseil de l'oracle de Béline, puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucie Calendus, une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, une rune et enfin un message du petit oracle victorien de Ève Porrigan. Je fais le tirage sous vos yeux en accéléré et je découvre les cartes avec vous. C'est parti. C'est parti pour l'énergie des cancers. So many different people to be. That it's strange. So strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Les cancers, eh bien, il est intense. Votre tirage, il est intense, je ne vais pas vous le cacher. Il est très puissant parce que très profond. L'énergie principale de ce mois, les cancers, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'explosion de tout ce qui a été contenu en nous. C'est ce qui va s'exprimer à l'extérieur, mais sans direction vraiment donnée. C'est là où je parle d'un éclatement, alors un éclatement créatif. Un éclatement en termes de communication. L'impératrice, elle est très riche, très vive. Elle crée, elle exprime, ça se manifeste, mais sans orientation, sans but précis. C'est là où, en ressentant un peu ce tirage qui est donc vraiment, vraiment puissant, j'ai la sensation à travers l'impératrice qu'il y a quelque chose qui se libère. D'où le fait de parler d'une cocotte minute. D'une énergie peut-être accumulée trop longtemps, intérieurement trop longtemps, et qui va avoir envie, là, en mois d'octobre, de s'exprimer et de se libérer. Allons voir comment ça se passe dans les différents secteurs de vie. Votre état d'esprit, avec une arcane majeure telle que le jugement, il est quelque part dans la confrontation de ce qu'on est, ce qu'on croit être, ou là où on croit en être, à une forme d'autorité plus élevée, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit de confronter ici son état d'esprit, s'en remettre à une sagesse plus grande pour pouvoir renaître quelque part. À travers le jugement, il y a une forme de renaissance. Donc il s'agit ici de comprendre que ce cap de bâton, c'est une sensation un petit peu d'enfermement. Le cadre, il stabilise, certes, mais il crée aussi une certaine inertie, une certaine sensation de blocage. Donc finalement, cet état d'esprit aujourd'hui, il se sent un petit peu bloqué. Et le conseil ici, alors c'est pas tant le conseil, mais c'est quand même l'arcane majeur qui accompagne cet état d'esprit, c'est d'aller en quête de sagesse. Alors, intérieure, certes, mais aussi extérieure. Se confronter à la sagesse de l'autre, pouvoir choisir, pouvoir échanger avec des gens dont vous reconnaîtrez la sagesse, pour finalement, là, vous orienter vers une forme de libération du mental qui tourne un petit peu sur lui-même, aujourd'hui. Et le conseil, c'est la découverte qui nous parle de la lune.
Donc, il s'agit là d'aller à la découverte d'émotions, puisque ça nous parle de la Lune, peut-être vers lesquelles on ne s'aventurait pas trop jusque-là. Mais voilà, ça peut être un encouragement à partir explorer, à partir à l'aventure, à l'exploration de zones qui vont nous élever en fait, nous faire passer de l'étape 20 à l'étape 21, qui est une forme d'aboutissement cyclique, qui est en tout cas une énergie d'intégration des différentes parties de nous dans une authenticité réelle. Donc il s'agit peut-être de surveiller les phases lunaires aussi, puisqu'elles pourraient nous mettre en contact avec des émotions qui nous permettent de découvrir, d'aller à la recherche de zones en nous encore inexplorées pour pouvoir trouver cette conscience-là, un petit peu cette sagesse qui nous sortirait de cette forme d'enfermement mental. Au niveau affectif et émotionnel. Alors comment dire ? Qu'avec cet as de bâton, clairement, il peut y avoir là une rencontre, quelque chose qui en tout cas va réveiller notre désir. Mais avec le 6 d'épée, notre mental nous encourage plutôt à fuir. Et avec ce conseil là, donc, qui est martien, hein, il s'agit de Mars plutôt que de l'accident, mais je traduis l'accident comme, avec cet as de bâton, comme une rencontre, comme quelque chose qui sort de nulle part, que vous n'aviez absolument pas anticipé, émotionnellement, affectivement, donc on peut parler d'une rencontre, hein, et qui vraiment, là, va vous permettre, finalement, de vous éclairer sur ce que vous ne voulez plus. Donc, ça peut être une rencontre très vivifiante, très énergisante, qui peut éveiller vraiment un désir tout neuf, qui peut réveiller là, la sphère de désir qui était peut-être un petit peu endormie, mais c'est pas tant quelque part pour vous engager avec cette personne, mais davantage pour comprendre, pour pouvoir palper ce que définitivement là, vous ne voulez plus voir et vivre émotionnellement dans votre vie, puisque le 6 d'épée nous parle bien d'un éloignement. D'accord ? Donc c'est une rencontre qui peut être assez bouleversante, hein, qui peut être extrêmement séductrice. Là, vous pouvez tomber sur quelqu'un d'hyper séduisant, quelqu'un à qui on ne peut presque pas résister, en fait, hein, tellement ça fait appel à tous nos sens et surtout à notre instinct, à notre animalité, puisqu'à notre réflexion. Mais notre réflexion, notre discernement va nous permettre de nous dire « Ah, cette rencontre fait écho à des choses que j'ai déjà vécues et je suis assez mûre aujourd'hui, ou en tout cas j'ai envie d'acquérir cette maturité puisque j'ai envie de vivre quelque chose de beaucoup plus stable. » Mais je vais comprendre très vite que là, cette nouvelle opportunité, elle est là juste pour m'en éloigner, juste pour comprendre, pour pouvoir identifier de plus en plus rapidement ce qui vous emmène dans la mauvaise direction, les cancers. En ce qui concerne la matière, le corps, votre profession, on a ce cavalier de bâton et ce 6 de coupe. Alors, vous voyez que ça chevauche, hein. Vous chevauchez la matière ce mois-ci. Avec ce cavalier de bâton, on part en quête là de nos désirs. C'est-à-dire que là, on veut savoir. On veut savoir, on veut se remettre sur sa route, sur son chemin. C'est les grandes questions de quel est mon idéal dans la matière. Avec le 6 de coupe, on peut trouver le chemin de l'innocence, retrouver le chemin de l'innocence, reconnecter, recontacter nos désirs les plus enfouis en nous, en notre enfant intérieur peut-être. En tout cas, il s'agit aujourd'hui là de partir à la quête, à la reconquête de ce qui nous faisait vibrer quand on était en pleine innocence, en pleine enfance, en pleine adolescence, mais ce qui s'était imposé dans le domaine de nos passions. Et là, c'est en train de revenir dans la sphère professionnelle. Donc, si ça concerne votre corps, le cavalier de bâton, il a une franche énergie de conquête. On a envie de se lever le matin pour vraiment aller vivre, aller mordre, aller croquer dans la vie à pleines dents. Le désir, il est là.
mais on sent un empêchement. On sent un empêchement. Il y a quelque chose aujourd'hui de l'ordre du lion en cage, là. Donc c'est bien ce Mars qu'il faut utiliser. Donc le passage à l'action, hein, partir en quête de cette haute vibrance en nous qui nous permettra de nous réaligner professionnellement avec des désirs très profonds. Puisqu'aujourd'hui, on s'est enchaîné à autre chose. Mais on est peut-être enchaîné à des ambitions qui sont à réactualiser. Elles sont peut-être finalement... On se sent peut-être bloqué aujourd'hui de ne plus pouvoir recontacter nos aspirations de l'enfance parce qu'on s'est accroché à des ambitions décalées par rapport à qui on est vraiment. Donc ça peut être assez décisif ce mois en termes de réalignement, hein, par rapport à votre idéal. C'est pas pour ça que c'est simple, les cancers. Puisqu'au niveau de la sphère, justement, créative, clairement, c'est l'angoisse avec le 9 d'épée. On arrive au bout de ces angoisses. Je ne sais pas depuis combien de temps vous endurez une situation, là, les cancers, mais il y a quelque chose qui arrive à son terme, quoi. Le mental a été au bout. Il a vraiment tout brassé et il ne sait plus. Il ne sait plus quoi. Il ne sait plus accueillir la synchronicité, les événements et la fluidité de la vie. En fait, ce que nous raconte votre tirage ici, le cancer, c'est que plutôt que de vous enchaîner à ces pensées sombres, à se sentir finalement puni par l'univers, il s'agit de pouvoir réexploiter ces zones d'ombre en vous. Parce que ce peut être la compréhension de ces zones d'ombre, le fait d'aller s'y confronter réellement dans ce qu'elles ont à vous dire, que vous pourrez trouver votre place dans la matière. C'est peut-être derrière ces angoisses qu'il y a une pépite à trouver pour trouver votre place, puisqu'il est bien question de ça. Et que l'impératrice, il va falloir lui donner une direction. Puisque ce que je sens là, ce mois-ci, c'est que vous allez pouvoir vous remettre en contact avec des émotions, des passions, des ambitions qui correspondent à des choses que vous avez pu délaisser à force de ne pas y arriver. Alors qu'en fait, ce sont ces zones sombres qui seraient à exploiter pour trouver votre place dans la matière. C'est complexe. Hein. C'est complexe et c'est intense. Je peux vous dire que c'est quand même chargé. Ici, le conseil au niveau de ces angoisses-là, du fait de plus se sentir dans le désir, mais de plus se sentir désiré par la vie aussi. Il y a quelque chose de très très profond là, dans votre tirage et qui en même temps est porteur d'une grande intelligence et d'une grande libération. Ce mois-ci, si vous prenez conscience des systèmes là, qui vous draguent vers le bas, si vous trouvez la pépite dans ces bas-fonds de votre âme, dans cette nuit noire de l'âme, on va le voir avec le noir, hein, qui est une couleur que je ne tire pas tous les deux jours quand même. Il s'agit de comprendre ici d'aller chercher de la maturité, les cancers. Alors je sais qu'on vous le rabâche beaucoup, puisque vous êtes le signe, vous êtes l'énergie de l'innocence, vous êtes l'énergie de l'innocence à protéger dans son existence d'adulte, de cette part de soi, de l'enfant qui n'est pas à venir opprimer par le fait de grandir et par la vie, mais bien la protéger. C'est ce qui fait que le cancer, on peut le heurter très facilement parce qu'il est en hypersensibilité par rapport à ça. Mais là, si vous traversez des moments difficiles, depuis longtemps, les cancers, il s'agit là d'arrêter de vous victimiser à travers ça et de vraiment pouvoir reprendre les rênes, d'aller prendre du courage, d'aller affronter ces zones d'ombre parce que derrière, il y a la maturité qui va vous permettre de trouver votre place. Et votre place, ce n'est pas une petite place en fait. Et j'ai envie de dire que les épreuves de votre vie, là, ce qui fait que vous traversez peut-être une nuit noire de l'âme, que ce n'est peut-être pas du tout évident, qu'il y a une cocotte minute qui est prête à exploser avec l'impératrice, mais c'est bien parce qu'en fait, vous avez de la ressource
dans ces zones-là pour trouver votre place unique dans le monde. Vous n'êtes pas puni par ces épreuves, les cancers. Voire, vous êtes même béni par ces épreuves. Et c'est là où il va y avoir une transformation incroyable à faire de ce que vous avez contenu à l'intérieur de vous avec l'impératrice. C'est là où il va falloir être créatif avec ces zones de noirceur, les cancers. Quand je vous dis c'est dense, c'est dense. La rune du mois, c'est Tiwaz. Et Tiwaz, elle nous parle bien de détermination, de combativité, de revenir en pleine possession de ses moyens. Donc là, ne partez pas avec l'eau du bain, hein, les cancers. C'est rien qu'une épreuve pour vous permettre là d'entrer vraiment dans votre dimension. C'est comme si jusque-là, vous étiez en sous-régime par rapport à votre conscience et donc par rapport à votre place dans le monde. Puisque c'est bien au sein de ces angoisses, au sein de ce noir, regardez ce que vous dit la carte du noir. Trouver de la richesse dans la nuit noire. Rien que ça, quoi. Et là, c'est bien ce que nous dit le 9 d'épée associé à l'étoile. Le 9 d'épée, il nous parle de cette nuit noire. Il nous parle de ce mental qui va au fond de l'angoisse. Et c'est au fond de cette angoisse qu'il y a une pépite. C'est dans vos épreuves de vie qu'il y a une pépite à extraire, puisque c'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre place dans le monde et d'imposer votre identité unique. Après, à travers ce vécu, à travers cette nuit noire de l'âme et à travers l'exploration de cette nuit noire, qui va vous assagir? Qui finalement, là, va vous permettre de vous ancrer, d'activer de la maturité? Et cette maturité, elle va vous rapprocher de cet enfant en vous. Et on nous parle ici de l'enfant, je n'avais même pas vu, c'est foufou. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. C'est magnifique de puissance, hein. C'est peut-être très intense à vivre, les cancers très très intense à vivre, mais c'est hyper clé là que vous compreniez qu'à travers ces moments difficiles, vous avez un potentiel créatif dans les pognes qui est incroyable. Et qu'il est temps de sortir de cette victimisation parce que vous êtes en train de toucher à l'essence, vous êtes à la porte en fait. Vous êtes à la porte. Si vous tournez le dos à cette noirceur, si vous la jugez, si vous vous jugez, à travers cette noirceur, vous bloquez la libre circulation de l'étoile. C'est-à-dire que vous bloquez finalement l'intégration de cette sagesse, de cette part de vous beaucoup plus consciente, qui elle sait ce qu'elle a à faire ici et sait pourquoi elle a traversé tout ça. Donc il s'agit là d'explorer ce mois-ci, hein, avec l'impératrice, ces zones difficiles, pour pouvoir vraiment là, vous en libérer et les utiliser en fait. C'est de l'alchimie que vous allez faire. Vous allez exploiter ces zones sombres pour en faire de l'or. L'impératrice, elle alchimise les choses. Elle prend le sombre et voyez la lumière qui est derrière là, quand même, hein, qui est ici, qu'on va retrouver vraiment au cœur de la tourmente à chaque fois. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas simple, je ne dis pas du tout. Mais vraiment, partez à l'aventure de ces zones sombres que de toute façon vous connaissez. Entrez en combativité, en résistance, là vraiment. Il y a quelque chose, la maturité, elle est à prendre par la volonté, ce mois-ci, les cancers. Et les esprits de la forêt vous envoient la licorne dorée. La licorne dorée, je vais prendre le livret parce que c'est... Hein, je peux vous dire que ce qui se passe dans mon corps, c'est assez balèze. Parce que je sens vraiment que c'est un moment très intense pour vous, cet automne. Protecteur, gardien, défenseur, tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor
qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confronté. D'accord? Donc ça nous parle bien ici, là, avec le jugement de confrontation vers la sagesse. D'échanger cette nuit noire, ces tréfonds, de partir à la découverte de ces zones, peut-être pas seules, mais effectivement avec le jugement, entourées de sagesse. Il y a forcément des personnes autour de vous dont vous reconnaissez la sagesse, ou dont vous ressentez la protection, avec qui vous vous sentez en sécurité, les cancers, pour avancer sur cette période-là et la mettre à profit. Donc quand la lueur, la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vie vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. Tiwaz, pleine possession de vos moyens, c'est ça que vous allez restaurer pendant ce mois d'août, d'accord? Il s'agit de trouver autour de vous là, les guides, les personnes que vous sentez dignes de cet accompagnement, d'accord? Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde, puisque c'est bien votre enjeu, d'accord? Et de comprendre, vraiment d'entrer en douceur avec vous là, hein, d'entrer en douceur avec vous sur votre non-responsabilité de cette nuit noire que vous pouvez traverser. Vous ne la méritez pas, vous l'explorez, d'accord? Elle fait partie de votre parcours pour pouvoir aller plus loin, entrer plus loin en vous pour y sortir des trésors, en fait, et trouver votre place dans le monde à travers eux, d'accord? Donc c'est vraiment beau, hein, on parle d'une énergie protectrice qui vous entoure. Vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Regardez comme c'est bon. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Ok, le jugement, on parle bien de ça. Vous avez trop crédité, d'accord, ok. Votre nuit noire, elle vient de là. Vous avez trop crédité des jugements injustes, des projections sans doute de jalousie, d'envie, de gens qui préféraient vous descendre pour vous empêcher de rayonner qui vous êtes. Et vous avez crédité ces gens. Donc voilà, donc sans retourner cette culpabilité contre vous, il s'agit de le comprendre et d'utiliser ça, puisque vous allez à nouveau sans doute vous trouver face à quelqu'un qui va pouvoir réveiller ça en vous, mais là vous saurez lui tourner les talons, puisque cette fois-ci vous allez vous orienter vers des personnes plus justes pour pouvoir aller explorer cette nuit noire, ce moment sans doute pas évident de reconnexion à vous. Entendez que vous êtes protégé et que ces épreuves, ces angoisses arrivent à la fin, puisqu'elles arrivent à la fin de leur vocation, de ce qu'elles sont venues créer dans vos vies pour vous permettre de trouver votre place juste et réelle, les cancers. Donc là, c'est à vous d'utiliser Mars pour ne plus le subir. Entrez dans cette combativité, entrez dans cette idée-là de grandir, de comprendre, d'aller affronter, trouver le courage, puisque c'est vraiment l'enjeu. Discernement vers les personnes dont vous allez vous entourer dès aujourd'hui pour pouvoir trouver votre place juste dans le monde et reconnecter avec ces désirs liés à l'enfance, liés à votre être beaucoup plus innocent. Donc c'est très très beau, même si c'est pas simple à vivre, les cancers, c'est très très beau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut.